Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Abilaye Moussa Camara, depuis Bruxelles, chef motoguinéen. Très bien. Alors, bon voilà, nous nous retrouvons encore une fois, donc pour ce mardi, en fait, soir, mon thème d'information, effectivement, sur Mamadi Doumbouya. Alors, ma question, alors le thème, et je dis bien Mamadi Doumbouya, en fait, comprendra-t-il mon conseil de philosophie politique? C'est la question que je me pose. En fait, ici, il est question, encore une fois, je l'avais fait antérieurement, il est question de m'adresser à Mamadi Doumbouya. Alors, c'est un message personnel que je l'envoie. C'est aussi, bon voilà, je peux dire un conseil, vous comprenez, un message personnel. C'est pour lui, disons Mamadi Doumbouya. Très bien. Alors, cher compte guinéen, voilà, je dis bien le thème, je le reprends, je m'adresse à Mamadi Doumbouya. Alors, Mamadi Doumbouya comprendra-t-il mon conseil de philosophie politique? Je vais parler de la philosophie politique ici. C'est quoi la philosophie politique et pourquoi je l'utilise maintenant dans le contexte de notre transition? C'est quoi la philosophie politique? C'est quoi la philosophie et c'est quoi effectivement la politique? N'est-ce pas? Et qu'est-ce que je veux en fait que Mamadi Doumbouya comprenne ici? N'est-ce pas? C'est ce que je vais vous expliquer dans ce direct, cher compte guinéen. N'est-ce pas? Mais avant de commencer, effectivement, il y a certains événements, alors il ne faut pas laisser passer, c'est vrai. Alors, disons, j'apprends hier que le préfet de Cancan a été, en fait, suspendu. N'est-ce pas? Et nous savons tous le discours que ce préfet, a une fois tenu, vous vous rappelez, alors menaçant, disons, les citoyens guinéens. Que voilà, quiconque aurait, disons, des comportements déplacés envers le régime, hein, vous comprenez, alors, ou envers Mamadi Doumbouya, alors qu'il connaîtrait le même sort que, en fait, ce regretté Diabaté, il paraît que c'est un médecin, Diabaté, alors qui, on se rappelle bien, selon les informations, c'est lui qui a, en fait, mis le feu à la photo de Mamadi Doumbouya dans la ville de Cancan. N'est-ce pas? Alors cet homme a été arrêté et il est mort en prison. N'est-ce pas? Alors la menace du préfet, bon, quiconque se comporterait, voilà, disons mal, de façon mal, disons très mal déplacée envers Mamadi Doumbouya, connaîtrait le même sort, c'est-à-dire serait, alors passerait comme donc le regretté Diabaté l'a connu en prison. N'est-ce pas? Alors c'est une déclaration gravissime, très grave, dans un régime démocratique, cet homme. Alors, effectivement, serait l'objet d'enquête, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Voilà. Alors, on apprend finalement que le pouvoir a suspendu cet homme, n'est-ce pas? Il est préfet, donc il est suspendu, c'est une suspension. Alors, j'espère que cette suspension, mais ça ne sera jamais le cas, sinon dans un régime, dans un cas normal, quand on parle de suspension, par exemple, il est question, pendant ce temps de suspension, effectivement, de mener des enquêtes. Est-ce que le préfet d'abord a fait telle déclaration? En fait, là, il est question de l'écouter, de le faire entendre, qu'il passe par un interrogatoire. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Très bien. Alors, nous disons ce que moi je vais dire au pouvoir. Alors, vous l'avez suspendu. J'espère que c'est dans le cadre. C'est, disons, dans le cadre de mener des enquêtes. Vous comprenez? Essayer, effectivement, des enquêtes d'abord sur cet homme. Et, effectivement, surtout ce qui s'est passé à notre regretté Diabaté, qui est mort en prison. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il s'est réellement passé? J'espère que, bon, on va le dire, non? Nous le disons normalement, c'est ce qu'il faut, d'une façon normale, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Quand il y a un cas pareil, une déclaration pareille, les enquêtes doivent être menées, une commission d'enquête pour savoir effectivement est-ce les déclarations du préfet sont fondées. Mamadi Doumbouya, plutôt, M. Diabaté, a-t-il été torturé jusqu'à sa mort? Voilà. Donc, suspension, oui, mais nous attendons également que des enquêtes minutieuses soient menées sur, disons, le cas, disons, concernant la mort de M. Diabaté en prison. N'est-ce pas? Voilà. Ça, c'était un cas. Alors, aussi, ça, c'est très important, cher compte guinéen. Alors, j'apprends aussi maintenant, j'apprends maintenant, parce que c'est toujours comme ça en Guinée. Alors, franchement, c'est quand même regrettable parce que si tout le monde prend la parole, vous comprenez,
Alors, beaucoup ne maîtrisent pas effectivement l'élément politique, même s'ils ont les informations, ils ne savent pas comment, disons, faire passer cette information. Dans la majorité, c'est surtout désinformer les citoyens. Alors, j'entends par-ci, par-là, que bon, voilà, nous sommes réjouis après, disons, la chute d'Alpha Condé. Nous avons applaudi Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Tout le monde est sorti. Nous avons dit qu'il était bien, une bonne personne, voilà, un homme courageux, etc., etc. N'est-ce pas? Alors, ces personnes se posent la question que nous sommes des lâches, nous sommes franchement difficiles à comprendre, et comment maintenant nous pouvons trahir Mamadi Doumbouya, maintenant nous ne le supportons plus, nous disons qu'il est mauvais, etc., etc. N'est-ce pas? Ça, c'est un acte de désinformation. Alors, moi, je vais dire à ces gens, n'est-ce pas? C'est très important de signaler ce point. Ils désinforment, nous nous informons. Alors, si Mamadi Doumbouya, nous avons tous dansé, vous voyez, c'est vrai, c'était l'enthousiasme, l'euphorie totale après la chute d'Alpha Condé et effectivement, acclamant Mamadi Doumbouya, effectivement, parce que, un, on a Alpha Condé qui, pendant 11 ans, donc, nous a fait souffrir, ça c'est vrai, a massacré, tué beaucoup de gens et surtout un manque de respect total vers, donc, disons, ce qu'on appelle ici la loi suprême. Alpha Condé, n'est-ce pas? Alpha Condé, on a vu totalement, disons, la Guinée dans la confusion totale pendant 11 ans, n'est-ce pas? Alors, si un gars pareil est renversé, comment pouvons-nous nous comporter, parlant d'émotion, à ces gens qui disent que nous sommes des lâches? Comment pouvons-nous nous comporter quand une telle personne, Alpha Condé, après tout ce qu'il a fait, quand il est renversé, qu'est-ce qu'on doit faire? Automatiquement, vous voyez, automatiquement, on est content. On se manifeste, on manifeste notre joie. Ça, c'est de façon spontanée. C'est vrai, on vient de se débarrasser d'un dictateur. Voilà, je peux revenir. N'est-ce pas? Alors, je pense que là, c'est la question. D'abord, la première chose qu'il faut remarquer, Alpha Condé. Ensuite, Alpha Condé est tombé. Mamadou Doumbouya qui le fait tomber, il vient avec un discours rassurant. Très rassurant. N'est-ce pas? Ah, on a souffert. Ah oui, la Guinée était méconnaissable avec Alpha Condé. Il faut en fait une Guinée sur la bonne marche, sur le processus démocratique. Là, on entendait Mamadi Doumbouya les premiers jours. N'est-ce pas? Il l'a dit. Alors, si maintenant Mamadi Doumbouya, donc effectivement, en tenant de telles déclarations, un élément de plus pour que nous soyons en fait très, très contents. Et qu'on le juge positivement. Mais ça, c'est vrai. Pour renverser Alpha Condé, le mal, et en plus, vous venez, vous dites, écoutez, moi, je vais corriger ce que ce mal, Alpha Condé, a créé dans le pays. N'est-ce pas? Voilà. C'est les éléments qui nous ont poussés à, effectivement, à être contents, à juger bien Mamadi Doumbouya. Mais voilà, maintenant si nous changeons aujourd'hui, mais ça aussi, je crois que c'est logique, parce que l'attente après la chute de Alpha Condé et le discours que Mamadou Doumbouya a tenu, cette attente a été trahie. N'est-ce pas? Et voilà. Donc on ne s'est pas levé manifester parce que Mamadou Doumbouya, il est Mamadou Doumbouya, il est grand, il est de la force spéciale, je ne sais pas quoi d'autre, ou il est de Kanka ou quoi. Non, ce n'est pas ça. Et nous ici, c'est le principe, n'est-ce pas? Il a renversé Alpha Condé. Avant cela, la Guinée était, on était dans une situation, disons, politique, je dirais, peut-être pas sur le fondement démocratique, parce qu'Alpha Condé avait tout dénaturé, mais quand même, il y avait une organisation politique qui était là, par les partis politiques en action à tout moment, par-ci, par-là. N'est-ce pas? Alors, donc, si nous l'applaudissons, mais écoutez, parce qu'en pensant que finalement, lui va mettre de l'ordre, il va mettre les points sur les i, vous comprenez, c'est cela. Donc, il n'y a pas de trahison ni autre chose. Ceux-là qui disent, qui désinforment, bon, moi, je suis sûr que ce sont des analphabètes. Ils ne connaissent rien. Ils sont dans l'émotion négative. Très bien. Alors, pour ce point toujours introductif, hein, j'aime souvent donc signaler ce point. Il est question de l'aéroport, disons, de Conakry, l'aéroport Bessia Conakry. Écoutez, chers compatriotes guinéens, alors peut-être certains le minimisent, c'est très important cet élément. Nous ne pouvons pas l'accepter. N'est-ce pas? Changer le nom de l'aéroport de Conakry, c'est bien impossible de le changer. Le pouvoir peut le faire. Mais écoutez, le nom choisi est compromettant. C'est Koutouré. N'est-ce pas? Ce nom est compromettant. Alors, prendre ce nom
vous comprenez, et doté, disons, l'aéroport qu'on a créé de ce nom, vous comprenez, c'est compromettant, le pays est en ce moment divisé. On ne peut pas accepter parce que ça rappelle toujours, en fait, des choses négatives. Ce n'est pas intelligent de la part de Manuel Mouya et son groupe, effectivement, de baptiser l'aéroport, en fait, avec ce nom. Je ne veux même pas citer ce nom. N'est-ce pas? C'est une foutaise. Moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas, écoutez, donner le nom de Sékou Touré à l'aéroport. Mais écoutez, attendons le moment opportun le moment où on aura atteint ce haut niveau de notre processus de démocratisation, où, en fait, les institutions sont, disons, travaillent de façon responsable, n'est-ce pas, dans la transparence totale. Vous comprenez, un président démocratiquement élu, tout fonctionne bien entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Vous comprenez, tout va bien dans l'Assemblée. Et puis là, aux députés, par exemple, de discuter à un, disons, citoyen guinéen ou à un ministre ou au président de proposer, par exemple, ce nom, disons qu'il faut, en disant, bon, essayons de, nous proposons de baptiser le nom de l'aéroport de Conakry, Sékou Touré. Et donc, l'élément sur la table, donc, des députés, on en discute et avec des votes. S'il y a des votes majoritaires, donc, voulant Sékou Touré, là, on ne discute pas. La majorité vote en somme. Vous comprenez? Mais c'est cela. Alors maintenant, vous venez, vous dites, bon, écoutez, nous baptisons l'aéroport de voile. Mais ce n'est pas possible. Surtout, nous connaissons vos liens de famille avec Sékou Touré et l'idéologie que vous défendez maintenant, donc l'idéologie Sékou Touriste. N'est-ce pas une foutaise? Voilà. Voilà pourquoi je dis, c'est, ne minimisons pas. Il ne doit pas nous imposer cela. Heureusement d'ailleurs, les gens ne sont pas habitués avec l'aéroport Sékou Touré. Non, c'est l'aéroport international Bessia Conakry. C'est cela et ça sonne très bien. N'est-ce pas? Et ça aussi propre. Voilà. Je compte bien. Très bien, donc j'ai terminé ces trois éléments introductifs et j'attaque maintenant, en fait, le sujet proprement dit. Très bien. Cher Comte Guinéen, c'est Nabilaï Moussa Camara. Depuis Bruxelles, c'est les analyses politiques objectives, cher Comte Guinéen. N'est-ce pas? Très bien, alors je disais que, voilà, Mamadi Doumbouya comprendra-t-il, disons, mon conseil à lui, conseil de philosophie politique? C'est un conseil. Je critique Mamadou Doumbouya à tout moment, c'est vrai. Alors, je le ferai toujours et de façon musclée même, et parce que je suis convaincu que la seule solution, effectivement, c'est à travers les armes, n'est-ce pas? Mais cela n'empêche également d'ouvrir certaines brèches en lui donnant des conseils, n'est-ce pas? Parce que le 31 décembre n'est pas encore là. Alors, donc, nous pouvons dire qu'il est encore dans son cadre, Mamadou Doumbouya, et puis à tout moment, effectivement, alors dire à tous ceux-là qui le chuchotent en disant, bon, écoutez, ça va, moi, je respecte ce que j'ai, voilà, ce que j'ai dit devant les Guinéens, n'est-ce pas? Très bien. Alors, voilà pourquoi il faut aussi, je lui donne des conseils, je fais des propositions politiques, voilà, à lui de, effectivement, d'écouter ou non. N'est-ce pas, cher Comte Guinéen? Très bien. Alors, je parle de la philosophie politique. Hein. Je ne vais pas rentrer dans, disons, dans des jargons, vous comprenez, trop techniques, non. Terre à terre, pour que nous puissions, très bien, vous puissiez me comprendre. Alors, je parle de la philosophie politique. Il y a la philosophie, il y a la politique. La philosophie, là, on dit souvent que nous tous, nous philosophons, tout le monde fait de la philosophie, c'est-à-dire nous, la philosophie comme science ou pas science, je ne dirais pas science là, pour ne pas trop compliquer les choses. La philosophie, c'est la réflexion, réfléchir sur tout ce qui nous entoure, où il est question de poser de bonnes questions, il est question, par exemple, de répondre aux, disons, aux questions, n'est-ce pas, de plus en plus, je dirais, questions soit politiques, questions de l'être, tout ce qui existe, n'est-ce pas, c'est la philosophie. Alors, la politique, là aussi, terre à terre, c'est l'organisation. Nous nous organisons pour pouvoir atteindre des objectifs précis. N'est-ce pas? On s'organise, on crée des lois, des règlements. Bon, voilà, c'est comme ça, tout le monde doit se comporter ainsi. Le but étant de satisfaire ou de résoudre ou de réaliser des objectifs communs. Ça, c'est la politique. Maintenant, philosophie politique, donc il est question de la philosophie ou il est question de la réflexion sur la politique. N'est-ce pas? Il est question, là, de, en fait, de poser des bonnes questions sur la politique. N'est-ce pas, cher Comte Guinéen?
J'espère que je me fais comprendre là. Donc, d'une façon générale, la philosophie, disons, politique, il est question tout simplement, voilà, de déterminer, chercher, dès le départ, il était question, par exemple, de donner le meilleur régime politique, n'est-ce pas? Les philosophes politiques avaient dit ça, que Platon, Aristote, John Locke, et il y a Karl Marx et tous ces gens, Montesquieu, alors leur préoccupation principale, c'était les philosophes politiques, c'était par exemple de citer ou de trouver le meilleur régime politique pour pouvoir organiser une société. Il est question de la démocratie, il est question comment on appelle ça, du socialisme, vous voyez, tout c'est que je peux appeler des concepts politiques, n'est-ce pas? Et même, disons, le royaume, tout ça, n'est-ce pas? Donc, quel est le meilleur? Voilà, je passe rentrer dans les détails. Donc, c'était en fait leur préoccupation principale. Ensuite, voilà, donc il est question ici, pour ces philosophies ou pour la philosophie politique, de déterminer, de trouver, n'est-ce pas, disons, le fondement et les limites du pouvoir politique. C'est ce point-là qui nous intéresse. Marie Doumbouya, si vous m'écoutez, n'est-ce pas? Alors, quand je parle de la philosophie politique, je vais tout simplement vous pousser à réfléchir sur d'abord le fondement et les limites du pouvoir politique. Ce pouvoir que vous avez aujourd'hui, quel est son fondement, n'est-ce pas? Et ses limites, c'est très important. Et ça, Marie Doumbouya. Très bien. Alors, Marie Doumbouya, je vous demande tout simplement de réfléchir. Faites la philosophie, n'est-ce pas? Réfléchissez sur ce que vous faites maintenant sur cette politique, sur cette transition. Faites-le seul, par exemple, dans votre maison, dans votre chambre, seul. Faites ces réflexions, pas un seul jour, pendant plusieurs jours, vous faites comme ça. N'est-ce pas? En vous posant des bonnes questions. Mais écoutez, ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Cette transition, ce que je veux pour la Guinée. Suis-je en train de chercher le fondement, disons, d'un régime politique en Guinée? N'est-ce pas? Si oui, quelles sont les limites de ce pouvoir politique? Je crois que c'est très important à mon avis de mourir. N'est-ce pas? Et là, je reviens tout simplement dans les détails, je reviens à Mamadou Doumbouya quand vous avez renversé Alpha Condé. Alors moi j'appelle ce moment-là, nous sommes dans la réflexion philosophique, n'est-ce pas, sur la politique, Mamadou Doumbouya. Alors quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez renversé Alpha Condé le 5 septembre 2021, bon voilà, alors moi je me dis, j'appelle cette période-là, que parce que vous aviez tenu des discours, franchement, des discours rassurants, n'est-ce pas? Vous renversez Alpha Condé, vous faites un discours, bon, écoutez, la démocratie, alors le retour à l'ordre constitutionnel, il y a ce qu'on appelle ici, disons, la charte de la Constitution, il y a de bons articles dans cette charte, vous, par exemple, dites que désormais personne ne mourra pour la politique, voyez, beaucoup de choses, vous dites par exemple que, alors, il n'y aura plus de recyclage. Ça, c'est très important. Vous créez une institution chargée, par exemple, effectivement, disons, de contrôler les finances publiques, vous comprenez, ou de poursuivre tout ce qui serait, disons, derrière des transactions frauduleuses et tout ça. C'était bien, Marie Doumbouya. Alors, moi, j'appelle cette période-là que, en ce moment-là, Marie Doumbouya, après le 5, juste après la chute d'Alpha Condé, cette période, un mois, deux, trois mois, je me dis, vous avez tout simplement regardé, ou vous étiez en train de regarder la réalité à travers votre propre paire de lunettes. Je prends une paire de lunettes, n'est-ce pas? Donc par vos propres yeux, une paire de lunettes, et vous regardez la réalité. Et quand vous avez regardé la réalité par votre propre paire de lunettes, et là vous vous êtes dit, parce que quand il dit regardez avec votre propre paire de lunettes, regardez, percevoir, il est question de regarder sans arrière-pensée, sans préjuger. Vous regardez la chose. La chose, elle est bleue, vous dites elle est bleue. Elle est rouge, vous dites elle est rouge. Et là, c'est à travers votre propre paire de lunettes, Mamadi Doumbouya. Et quand vous avez fait ça, avec votre propre paire de lunettes, vous avez dit, bon Dieu, la Guinée, on a souffert tant. Et là, vous avez dit aussi, écoutez, désormais, personne ne mourra pour la politique. Vous avez dit également, bon, écoutez, on ne va plus faire de recyclage. Et vous avez juré que pour les élections, moi, je ne serai pas candidat, ni moi, ni en fait aucun membre, disons, des membres du gouvernement. Moi, j'appelle cette période la Mamadou Doumbouya, vous utilisiez effectivement votre propre paire de lunettes.
C'est ça. C'est-à-dire, vous étiez en train de percevoir, regarder réellement, concentrer, et vous avez vu la réalité. Mais ça, on dit Lumbuya. Si vous me suivez, peut-être vous n'allez pas me suivre, peut-être certains vous le diront, mais Mandy Mbouya, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Quand vous avez décidé de faire sillonner Alpha Condé à travers Conakry, n'est-ce pas? Pour que tout le monde le voit, l'humilier, n'est-ce pas? Vous étiez, c'est vous qui avez pris la décision, je suis sûr à 100%, donc vous regardiez à travers votre propre paire de lunettes. Vous aviez dit, vous aviez pensé, oui, il mérite cela. Il doit passer par ça, par là. Il a massacré pas mal de gens dans ce quartier, Bambeto. Vous êtes passé par Bambeto. Vous n'êtes pas passé par Mantoto, n'est-ce pas? Ou Madina ou autre. Vous êtes passé surtout par Bambeto. En faisant même baisser les vitres du véhicule pour que tout le monde le voit, l'humilier. N'est-ce pas? Voilà, vous l'avez fait parce que vous avez dit, ça, oui, il mérite cela. Il a trop massacré, il a trop fait souffrir les gens. Mamadi Doumbouya, à travers votre propre paire de lunettes. N'est-ce pas? Nous sommes dans la philosophie politique. La réflexion sur la politique, la réflexion sur le comportement politique, la réflexion sur les actions politiques, n'est-ce pas? Et on s'est dit, il y a des problèmes, on pose de bonnes questions, on essaye de les, disons, trouver solution. Mais ce que nous sommes en train de faire, Mme Doumbouya, si vous m'écoutez. N'est-ce pas? Très bien. Alors, quelques temps après Mme Doumbouya, malheureusement, quelques temps après, je crois une année après, alors vous avez cessé de regarder la réalité à travers votre propre paire de lunettes. Vous l'avez cessé. N'est-ce pas? La preuve, oui, vous aviez commencé effectivement à vous contredire. Si à travers votre propre paire de lunettes, vous aviez dit il n'y aura plus de recyclage, n'est-ce pas? Alors, vous aviez commencé à faire du recyclage. Si vous aviez dit que désormais personne ne mourra pour la politique, à travers votre propre paire de lunettes, maintenant, vous n'utilisez plus votre propre paire de lunettes et là, vous avez continué ou vous avez commencé à tuer les gens pour la politique. Mandy Doumbouya, n'est-ce pas? Je vais tout simplement dire par là que depuis quelques temps, alors vous avez pris votre paire de lunettes, vous l'avez placée dans le tiroir quelque part, fermé. Et qu'est-ce que vous utilisez maintenant? Vous utilisez, et disons, des paires de lunettes d'autres personnes, de ceux qui sont autour de vous. Ce n'est plus vous qui percevez la réalité, ce n'est plus vous qui regardez ce stylo au bout bleu, ce n'est pas vous, en fait, qui regardez finalement, n'est-ce pas? Quand vous l'aviez regardé, vous aviez dit que ce bic était bleu, maintenant vous regardez ce même bic, mais à travers des paires de lunettes d'autres personnes, maintenant vous dites que ce bic n'est pas bleu, ce bic est rouge. Vous êtes en train de mentir, je vais dire. N'est-ce pas? Et voilà, Mamadi Doumbouya. Mais c'est vrai. Et tout récemment, maintenant, même les engagements les plus, je dirais, cruciaux, c'est-à-dire que concernant la candidature Mamadi Doumbouya, avec votre propre paire de lunettes, il n'était pas question de candidature. Maintenant, vous utilisez les paires de lunettes d'autres personnes, des gens autour de vous, alors oui, votre candidature est bien possible. Mamadi Doumbouya, pouvez-vous réfléchir sur, philosophiquement parlant, sur ce comportement politique de votre part? S'il vous plaît. Est-ce normal, vous comprenez? Vous pouvez le faire, hein? Mais disons, quand on fait une réflexion profonde, philosophiquement parlant, sur cet acte politique de votre part, vous trouvez ça normal? C'est-à-dire, du moment que vous ne regardez plus, vous étant le président de la transition, vous n'êtes plus capable, vous ne regardez plus à travers vos propres yeux, à travers votre propre paire de lunettes. Regardez la chose, je dis bien regardez avec toute la sagesse, toute la tranquillité qu'il faut, vous n'êtes plus capable de le faire. Vous le faites à travers les yeux des gens autour de vous, des lunettes, pas parce que vous prenez des lunettes d'autres personnes, non, vous
Les autres regardent la réalité pour vous, ils vous les communiquent, les éléments. Et c'est ça, vous, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? N'est-ce pas grave, Mamadi Doumbouya? Je ne veux pas être long, mais j'espère que vous comprenez ce point, Mamadi Doumbouya. Sa propre paire de lunettes ou les paires de lunettes d'autres personnes. N'est-ce pas? Les résultats sont tous différents. Alors, Mamadi Doumbouya, c'est là ce que moi je vous dis. Parce que en utilisant les paires de lunettes des gens autour de vous, alors, il y a par là, il y a contradiction, ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce que finalement nous remarquons? Parce que, franchement, avec votre propre paire de lunettes, vous avez parlé de la refondation, Mamadi Doumbouya. Moi, je vous ai suivi au départ. Vous avez parlé de la refondation. Et à un moment donné, vous avez même, disons, tenté, je dirais même que vous avez réussi à expliquer cela clairement, comme si vous étiez dans une classe devant les élèves, n'est-ce pas? Vous avez dit, bon, écoutez, cette transition, on va essayer de faire ce qu'on appelle ici la refondation, refonder les institutions de l'État. Vous avez dit, on ira pas à pas, n'est-ce pas? Comme dans la construction d'un bâtiment. N'est-ce pas? Vous avez parlé de soubassement. Vous avez parlé des structures. Donc, tout ira, n'est-ce pas? Petit à petit, en posant, vous parlez des briques. Et réellement, vous avez utilisé, en fait, le mot brique. Brique après brique. C'était convaincant, Mamadi Doumbouya. Ça, c'était à travers votre propre paire de lunettes. Parce que si vous regardez à travers votre propre paire de lunettes, vos propres yeux, il y a la conviction. N'est-ce pas? Il y a la conviction. Parce que vous dites, moi-même, j'ai regardé. Moi-même, j'ai senti. Moi-même, j'ai vu. Et c'est pourquoi vous aviez dit ça, la refondation, l'exemple sur le bâtiment, la construction d'un bâtiment. Mamadi Doumbouya. Alors, dans l'autre version, c'est-à-dire en utilisant les paires de lunettes des autres personnes, alors la refondation, non, ça n'existe plus. N'est-ce pas? Non, vous l'avez rejeté. Le problème, Mamadi Doumbouya, toujours nous sommes dans la réflexion philosophique sur le comportement politique. Mamadi Doumbouya, on a eu Sékou Touré. Sékou Touré, le fondement de la politique, disons, du régime de Sékou Touré, n'est-ce pas? S'il fallait parler de la stabilité de la Guinée au temps de Sékou Touré, le fondement, c'était qui? C'était Sékou Touré. Tout reposait sur Sékou Touré. C'était le fondement. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, nous parlons de la refondation, de responsabiliser les institutions de la République, de rendre rationnel les institutions de la République, n'est-ce pas? Alors, au temps de Sékou Touré, alors, parlons de la refondation, même si ce n'est pas ça, entre guillemets. Maintenant, refondation, c'est-à-dire, tout reposait sur Sékou Touré. Sékou Touré était la structure politique solide et consolidée. C'était lui. N'est-ce pas? Là, ça m'a compté. C'est la même chose. L'ancien Conté, en fait, il était, disons, le refondé ou le fondement, n'est-ce pas, de la société, de la politique en son temps. Nous prenons Alpha Condé, c'est la même chose. Le fondement. Tout reposait sur lui. Il est le fondement. Maintenant, les conséquences de cela, quand le président même est le fondement, n'est-ce pas? Alors, comme c'est un être passager, nous passons, la Guinée reste, vous comprenez. Alors, le fondement, il va mourir. Sékou Touré est parti. Quand il est parti, qu'est-ce qui s'est-il passé? Le fondement est parti. Plus rien. Il y a un changement total. On méconnaît Sékou Touré. Tous les actes politiques posés par Sékou Touré, voilà, sont rejetés. Totalement oubliés. L'erreur, c'est quoi? Parce que Sékou Touré représentait le fondement. Vous voyez, aujourd'hui, vous vous battez pour Sékou Touré. Vous voyez, mais pourquoi? Parce que voilà, il était le fondement. Et quand il est mort, c'est fini. Exactement. N'est-ce pas? L'ancien Conté était le fondement. Quand l'ancien Conté est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, un coup d'état militaire. Pendant que le monsieur, son corps n'est pas encore enterré, il y a un coup d'état militaire. L'ancien Conté était le fondement. Alpha Condé. Un coup d'état militaire. Il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Un grand changement. Alpha Condé était le fondement, Mamadi Doumbouya. Et Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, vous voulez regarder la réalité à travers les paires de lunettes de d'autres personnes, alors vous êtes en train de vous faire un fondement. Le fondement, comme ça a été le cas de Sékou Touré, l'ancien Conté, Alpha Condé. Vous comprenez, Mamadi Doumbouya? C'est ce que vous avez oublié, la vraie refondation. Et maintenant, la vraie refondation pour poser le vrai fondement de notre donc société politique.
Maintenant, vous allez maintenant être le fondement, Mali Doumbouya. Le problème, c'est quoi? Peut-être que vous allez rester longtemps au pouvoir, n'est-ce pas? Mais c'est que, comme j'ai dit au départ, nous sommes des êtres humains, nous passons. Vous allez mourir, non? Ça, c'est clair. Donc, naturellement ou non, vous allez partir. Mais quand vous partez, qu'est-ce qui va-t-il passer? Parce que le fondement est parti. Et voilà, on reprend à la case de départ. C'est clair et net. Voulez-vous cela, Mamadou Doumbouya? C'est pourquoi on vous demande une véritable réflexion philosophique. Voulez-vous ce contexte-là où vous serez, vous, le fondement? Dans ce cas, égoïste. Vous n'aimez pas la Guinée, alors. Vous n'aimez personne. Parce qu'il y a même les conséquences. Parce que si vous partez, le fondement, il est possible même que votre famille soit attaquée. Mais c'est vrai. Ça, il peut y avoir plusieurs, en fait, et conséquences négatives. Voulez-vous cela être le fondement de la société politique pendant que vous êtes là? C'est ce que vous voulez. Alors, vous êtes égoïste, Mamadou Doumbouya. C'est de l'égoïsme. Vous n'aimez pas les Guinéens. Parce que, aussitôt vous êtes parti, aussitôt c'est le changement, on rase. C'est-à-dire, on rase tout ce que vous avez placé comme acte politique. Tout sera oublié. Tout sera. C'est clair et net. Et même vos biens seront saisis. Et vous, vous dites en ce moment, tant pis, moi, c'est faites ce que vous voulez, moi, je suis mort. C'est cela. Et ça sera en ce moment bien réussi de votre part, si c'est votre calcul maintenant. Ok, tant pis, moi je fais ce que je fais maintenant pendant que je suis vivant. Et bon, voilà, quand je suis mort, moi je ne sens rien, voilà, je suis mort. C'est cela de l'égoïsme, Mamadou Doumbouya. Alors, faites une réflexion philosophique politique, s'il vous plaît, sur ces actes politiques, Mamadou Doumbouya. Pouvez-vous le faire? Faites le choix, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Regardez la réalité à travers votre propre paire de lunettes. En ce moment, le fondement sera une structure politique solide, consolidée, avalidée par tous les Guinéens, n'est-ce pas, démocratiquement. Et cette structure politique, ce fondement, même si vous vous partez, ce fondement restera longtemps, aussi longtemps, s'il vous plaît, qu'il faut. Si vous regardez la réalité, vous avez encore le temps, Mamadou Doumbouya, suivant votre engagement, la fin de cette année, alors vous avez encore le temps, Mamadou Doumbouya. Voulez-vous être le fondement ou voulez-vous créer un véritable fondement démocratique pour tous les Guinéens? C'est-à-dire, même quand vous mourrez, alors ce fondement est là, n'est-ce pas, pour nous, pour les générations qui viennent. N'est-ce pas? Vous faites le choix. Ça, ils sont en train de vous aider, Mamadou Doumbouya. N'est-ce pas? Parce qu'il y a tous des conséquences négatives quand, en fait, on ne prend pas, disons, nos comportements, nos actes ne sont pas dirigés par notre propre décision. Vous pouvez écouter les autres. Vous pouvez écouter les conseils. Ce n'est pas interdit. Surtout, vous êtes le président, vous écoutez tout le monde. Et puis là, vous tranchez, vous faites une réflexion, une sorte d'analyse sur tout ce qu'on vous a dit. Et vous décidez ce qu'il y a. Et là, en ce moment, en regardant votre propre paire de lunettes, non, un tel est à côté de vous, n'est-ce pas, qui, à sa manière, regarde à travers sa propre paire de lunettes la réalité, sûrement déformée, et vous prenez ça. Voilà, je compte bien. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, il était question de la philosophie, disons, politique, la philosophie sur la politique, la réflexion sur la politique. Mamadou Doumbouya, j'espère que vous m'avez très bien compris. Et franchement, le 31 décembre, ce n'est pas loin, n'est-ce pas? C'est encore loin pour pas une décision. Vous pouvez prendre cette décision. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Mamadou Doumbouya. Alors, votre propre paire de lunettes, utilisez-la. Et quand vous l'utilisez, vous ne le regretterez pas. Ça, c'est très clair. Clair et net. Et si vous refusez d'utiliser votre propre paire de lunettes et vous utilisez celle des autres, alors la réalité sera déformée. Il sera question de vous faire, vous, le fondement. Et ce fondement qui, à tout moment, peut disparaître et la Guinée dans le chaos. C'est ce que vous souhaitez, Mamadou Doumbouya, pour la Guinée, pour vos compatriotes? J'espère que non. Chers compatriotes, donc c'était Nabil Aïe, Moussa Camara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute.